Les amis, vous avez déjà rêvé d'ouvrir un commerce, de faire fortune, d'avoir tout un tas de clients qui font la queue devant votre magasin? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bienvenue sur votre chaîne secondaire préférée et bienvenue dans mon cybercafé. Allez, c'est parti. Alors, le nom de notre café, on va l'appeler Cybercachier. J'ai 8 ans et demi et le pire, c'est que ça me fait rire. Hein. C'est ça le problème. Allez, c'est parti. Comment ça coûte moins? Comment ça coûte moins? On peut mettre des patates aux gens? Oh, alors. Si on peut mettre des patates aux gens, oh là là! Un client qui se comporte mal, pas une patate dans la gueule! Pourquoi je suis... Alors, excusez-moi, il se passe trop de choses en même temps, là, je... Il se passe trop de trucs. Pourquoi je suis à la chicha, là? Bah, c'est double pomme, ça. Je reconnais, hein. Il t'arrive quoi, toi? Oh non, alors là, je suis un peu déçu. Tu vois, là, ça m'a calmé. C'est ma femme, apparemment. Appuyez pour interagir avec votre femme. Faire un enfant... Comment ça, faire enfant? Mais laissez-moi assimiler le truc! Faire enfant, mais jamais on va appuyer là-dessus! Elle ne veut pas faire ça parce qu'elle a une mauvaise humeur. Encore des excuses! Toujours! Envoyer le travail. Elle ne veut pas travailler parce qu'elle a une mauvaise humeur. Écoute-moi bien, est-ce que tu crois que quand moi, je dois aller travailler, je peux dire « Bah, je suis une mauvaise humeur, j'ai pas taffé. » Ça marche pas comme ça! Elle est malade, elle! Ouais, c'est bon, tu m'as saoulé. Ok, le frigo. Mettez les aliments au réfrigérateur, 10$. Comment ça mettre des aliments? Mais attends, mais pourquoi y'a rien qui va dans cette baraque? Pour commencer à mettre des aliments dans mon frigo, ça me coûte de l'argent. Il est où mon argent? Comment je sais combien j'ai d'argent? J'ai ouvert ma braguette ou mon sac à dos là, je sais pas. 1980$? Mais attends, mais je suis bien! Let's go! Le frigo il est plein. Il nous reste 1900$. Bah franchement, c'est bien, c'est bien. En tout cas, que de la bonne bouffe, hein. Je sais pas qui met des burgers frites dans son frigo, mais tranquille. Ça, c'est mon lit. Oh putain, la maison vraiment de clochard, quoi. Il y a un espace chicha. L'espace chicha est plus important que l'espace chambre. Ça, c'est une dinguerie. Ok, on s'en va. Allez, c'est parti. J'ai hâte de découvrir mon petit cybercafé, là. Wesh, il y a trop de choses à dire déjà. Pourquoi il y a un gangster? Pourquoi il y a Pikachu qui balade un Doberman? Enfin même pas, c'est même Pikachu. Oh, c'est Lala dans les Teletubbies. Pourquoi il y a un Teletubbies qui balade un Doberman? Pourquoi elle a les genoux inversés? Pourquoi il y a Donald Trump là? Mais c'est vraiment Donald Trump? Ah, quelle ville exceptionnelle. Mais là, tu vois, là, au moins, on est dans une ville, c'est sûr que là, il n'y a pas de racisme. Là, c'est beau, il n'y a pas de racisme. Tout le monde vit en communauté, il y a de tout et n'importe quoi, et ça, moi, j'adore. Je me dis qu'au moins, c'est bien. Attends, je sais même pas où je dois aller. Appuyez sur M pour ouvrir la carte. Il est où mon cybercafé? Ah, bah, il est en face. La maison, magasin de seconde main, club. Ouais, j'ai même pas envie de savoir c'est quoi le club. BTC mineur. Pas envie de savoir non plus ce que c'est. Ok. Oh, le cybercachier! Aïe, 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 le cybercachier! Alors, par contre, tu vois ça. Le fait qu'il ait écrit. Oh, je suis ravi. Je suis ravi. Bouge de là, toi. Un coup de tête! Ouah! Mais attends, mais. Mais pardon, mais excuse-moi là. Dégage. Oh! Oh waouh! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais elle est en train de me savate, elle est en train de me savate! Oh, je me suis. Bah. Ok, pardon, excusez-moi, je suis désolé. Gueux, appuyez pour parler aux mendiants. Je sais tout ce qui se passe dans cette ville, mec. Vous êtes le propriétaire du nouveau cybercafé. Ils ont écrasé l'homme qui travaillait au café avant. Bah, ça va alors, chill. Ils s'entendaient bien avec moi. Cela ne lui serait pas arrivé si vous voulez construire une plateforme minière BTC dans cette ville. Vous devez d'abord me payer l'argent de la licence, fils. Qu'est-ce que tu parles de fils, toi? Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu parles de fils, toi? Je peux pas le taper, ok. J'achète ou pas? 100 balles, mais j'ai peur de me faire arnaquer. Passez me voir de temps en temps, nous semblons bien nous entendre avec vous. Maintenant, vous pouvez acheter l'outil de mineur Bitcoin si vous le souhaitez. Ok, vas-y, bah chill, hein. J'ai déjà un pote. Il est louche, mais c'est un pote quand même. Allez, mesdames et messieurs, l'ouverture pour la première fois du cybercachier. 3, 2, 1. Allez, ça m'a saoulé. C'est bon. Je vais péter un plomb. C'est un cybercafé ou une déchetterie? C'est quoi ce bordel? Qui c'est ça? Thermomètre. Pourquoi j'ai un thermomètre? Il fait 30 degrés dans le cybercafé. Vaporisateur, je porte déjà quelque chose. Ah, pour le coup, il porte bien son nom, mon cybercafé, hein. Ah là, je suis en train de diminuer là. Ah non, ça pue! Je crois que mon cybercafé il pue, mais vas-y, tranquille. Prenez la vadrouille et nettoyez votre café. C'est quoi la vadrouille? Ah, c'est ça la vadrouille, ok. Bah tranquille, hein. De toute façon, là en vrai, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de nettoyer. Hein. Je sais vraiment pas si vraiment ça a changé quelque chose, hein. En vrai, de vrai, là on ressort comme ça là. Vous en pensez quoi de mon cybercafé? Sur 10 là? En balle sur 10, vous le notez combien? Oh, c'est nul. Tu manques de talent. Personne n'aime ici. Okay. Tu pars de chez moi, s'il te plaît. Vas-y, de toute façon, vous savez pas reconnaître les bons trucs, vous, de toute façon. On va se poser sur l'ordi. Acheter un boîtier d'ordinateur, un moniteur, un clavier et une souris. Alors, ça va s'acheter des trucs à balle, là. Computer case. Alors, qu'est-ce qu'on s'achète? Oh, ça coûte cher. Attends. Ouais, oh, wow! Je pense qu'on va y aller doucement. Lui, il m'a l'air carré, en vrai. Hein. On va acheter lui. On l'ajoute au panier. Ensuite, oh, on peut acheter une clim. Ouais, ça coûte trop cher. Arcade machine, ça coûte trop cher. Console, ça coûte trop cher. Ok, clavier. Quoi? 810$ le clavier, mais il est en or massif? Ok, et là, c'est bon, j'ai tout. Ça nous fait 1300 balles. Ça part. Comment je pars? Mais, chef?
Mais pourquoi y a un kamikaze qui est venu se faire sauter dans mon magasin? Et où sont les trucs que j'ai achetés? Attendez que les produits arrivent. Mais pourquoi y a... Mais... Je vais me foutre en l'air. C'est livré par chameau et je vais... Attends, y a le chameau qui a écrasé le chien, mais putain! Mais c'est quoi ce jeu? Et le PC. Le PC, on a... Hey, on va mettre bien les gens, on va mettre bien les gens. Pa, 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 le setup de tueur. Ça, c'est du siège gaming, ça. Ça, je peux vous dire, même Razer, ils auraient pas pu la faire. Alors, êtes-vous prêts, mesdames et messieurs? La première fois que le cybercachier ouvre, soyez prêts. 3, 2, 1... Attends. Oh! 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 Alors j'aurais jamais parié sur lui comme premier client. Le client vous a demandé d'allumer l'ordinateur, mais tu peux pas le faire? Je dois le faire pour toi? Et comment je... Merde, mais non, putain, mais non! Mais non, mais non, mais reviens! Ah! Il est content! Je vais pas m'enfermer avec mon client. Voilà! Non! Non! Reste! S'il te plaît! Je voulais qu'on soit ensemble! Il veut quoi, lui, encore? Il y a un clochard qui se mêle de nos affaires. Mais frérot, tu es toi-même un clochard! Je te rendrai service, tu le bats pour moi. Il est écrit famille sur le t-shirt de l'homme, il porte toujours un débardeur blanc et chauve. Allez, je lui pète la gueule si tu veux, y a pas de problème. C'est toi? Dis-moi, dis-moi, je lui pète la gueule, y a pas de problème. Vas-y. Mais non, mais... Oh! Ça me saoule! Y'a rien qui va! Oh, je suis rentré chez moi! Je suis désolé, fais-moi un enfant. Enceinte? Ah, c'est bon déjà? Oh, c'est rapide! Ok, sachez que tout le monde a droit à des erreurs. On a commencé, certes, d'une manière compliquée, mais, hé, tout le monde a le droit à un petit moment d'adaptation. Et je pense que c'est maintenant qu'on va briller. Ok. Écoute-moi bien, mon petit pote. Écoute-moi bien. J'ai deux possibilités. Soit je te pète la gueule parce que tu ressembles à Vin Diesel. Et en plus, t'es en train de me mettre des détritus, fils de chien. Soit je gagne de l'argent et tu utilises mon cybercafé comme premier client. Tu crois que je vais faire quoi? C'est l'honneur ou l'argent? L'argent. 100% l'argent, les frères. Vous êtes fous, quoi. Maintenant, vous pouvez jouer librement au jeu. Si vous souhaitez, vous pouvez effectuer des... C'est quoi ce bruit? Oh, mais t'es un malade! Mais comment ça? Mais t'es fou! Oh! Mais ça brûle! Mais t'as pas payé? Mais je vais péter un plomb sur ce jeu! Paye ta race! Paye ta mère! T'es un malade ou quoi? Comment ça tu payes pas? 7$, tu fais la fine bouche? Putain, il m'a saoulé! Hop là, tout pour la famille! Voilà! Je nettoie quand même. On veut pas un magasin sale en fait. Hein. Voilà. Alors là, en vrai, on est bien. On a gagné 7$. Peut-être que d'ici 2-3 ans, on aura gagné un SMIC. Hein. Sans soirée, qu'est-ce que tu regardes? Chef! C'est quoi ça? Comment ça, Zornbub? Mais tu te barres là, tu payes pas là. Ta mère, je tourne la vie de ta mère. Je peux avoir des clients honnêtes? Je peux avoir des clients honnêtes? Ou c'est trop demandé? Je peux? Il vient dans mon cybercafé, il se tape ses meilleurs hentai et il part sans payer? Ça va pas? Là pour l'instant c'est la merde, hein? Ah bah faut que j'aille dormir. Écoutez, je ferme ça et au dodo. Attendez, c'est où déjà chez moi? Mais je comprends pas où c'est chez moi. Oh, c'est quoi ça? Je peux augmenter mes énergies, plus d'énergie, plus de force, plus de faim. C'est une dinguerie de s'évanouir toutes les 4 minutes. Vraiment, c'est une dinguerie. Est-ce que vous pensez que ma femme, elle a déjà accouché ou pas? Aïe, aïe, aïe! C'est déjà un titan, le bordel! Qu'est-ce que c'est que ça? Il a un appart et 2 crédits sur le dos! Il a déjà une Clio! Il a un bac plus 4, le bâtard! Mais attends, mais qu'est-ce que... Je comprends pas. Il y a quoi, deuxième étage? Une heure offerte? Oh là là! Oui, bah ça va, hein, rien de quoi. Pas de quoi se la péter. C'est pas une compétition, mais j'ai quand même l'impression que notre cybercafé est mieux. Après, c'est subjectif, hein. On relance le PC et on ouvre le cybercafé. Voilà. Ah, voilà, voilà. Enfin un client. On approuve. Tac. 3$ par heure, bien sûr qu'on va monter le prix. Allez, continue. 12$, 13$. Continue. Continue. Qu'est-ce qu'il fait? À quoi il joue? Il regarde YouTube. En vrai, il est bien là, hein. Oh, regardez, il flex. Oh, regardez comment il joue. Hey, il vit sa meilleure vie. Et le compteur, il continue à tourner, le compteur là. On est à combien? 60$. Oh là là, oh la rentabilité de malade. Attends, mais on est à 100$. Non, tu t'es arrêté juste avant. Oh là, c'est vraiment du foutage de... Mais attends, tu te fous de ma gueule. Mais y a que des crevards ici dans ce putain de monde. Rends l'argent. T'arrives quoi toi? T'as un dommage collatéral, je m'en fais exprès. C'est bon, ça peut arriver à tout le monde les erreurs. Ça va, c'est bon! Je dis pardon! Attends, quoi? Le cybercachier. Seulement, il y avait un jeu auquel on pouvait jouer, les cafés qui ouvrent. Attends, c'est mes notes? Je suis noté 1,8! Quel endroit de merde! Ne cessez pas, vos comptes privés, les ordinateurs ont des virus! Seulement, il y avait un jeu auquel on pouvait jouer, les cafés qui ouvrent par ici sont comme de la merde! Mais attends, mais c'est quoi cette dingue? Je vais fermer, je vais aller dormir, et après, on va aller visiter. Ok, on dort, on y retourne. On va aller au magasin de seconde main. Le magasin de seconde main qui est. Je crois que c'est ça le magasin de seconde main. On va aller voir parce qu'en vrai. Je pense qu'on va au moins vérifier. Ça doit être ça le magasin de seconde main. 100$. Oh non. Je me suis trompé, c'était le club. Merde, non. Aïe, 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 oh, dommage. Ah, dommage. Je pensais que c'était le magasin de seconde main.
Qu'est-ce que tu fais sur la table, toi? Descends, putain. T'es daron, t'as deux enfants. C'est ma femme, ça? Alors là... Putain, j'ai la haine. Après, on s'est trompé aussi. En vrai, j'aurais... Enfin, je pouvais pas savoir. Faut avoir confiance en l'être humain pour que l'être humain nous fasse confiance. Et moi, ce gars-là, je le sens bien. Il va partir en étant honnête. Et en payant, c'est 154$. 170$ pour... pour Smackfly le Carlito, là. Putain, voilà, je vous ai dit. Je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il fallait avoir confiance. Je vous ai dit qu'il fallait 173$. On a 362$. En fait, c'est quoi l'objectif là actuellement pour nous? Est-ce que l'objectif là, ce serait pas d'avoir un deuxième setup? En vrai de vrai, nouvelle pièce, cuisine, ok, mais c'est beaucoup trop cher pour l'instant. Ce qu'il faudrait par contre, c'est avoir de la thune quoi. On va les manger, sinon on va s'évanouir encore. Je commence à en avoir marre de m'évanouir. Ok, c'est bon. Oh mais chef, il a un problème lui. Mais il est pas normal ce gamin. Peut l'envoyer taffer. Mais j'ai pas l'envoyer taffer alors qu'il vient de... Enfin il est enfant. Ça dort, ça consomme chez moi, ça taffe. Oh ça va oui. J'ai honte. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je vais même pas regarder. Tu sais quoi? Hop là, j'assume pas. Tac, tac, tac. Ah, dehors. Putain, la journée est belle, le soleil est là, le ciel bleu. Vas-y, on va aller, on retourne bosser. Pas grave, c'est bon. Il a 12 ans, il a trouvé un taf. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai 760$. On va prendre la borne à 560. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Je vais me foutre en l'air. La borne d'arcade, magnifique. Oh! Waouh! Il est malade, lui! Mais t'es un malade toi! Mais t'es un malade, mais il a volé ma souris en plus, juste pour une souris ce fou! Mais pète au moins l'écran, pète au moins le PC, pète pas la souris! Ah, voleur, mais il est con en plus! Hop! Et la borne d'arcade, on est bien, on va la mettre juste ici. Voilà. Et là, c'est pas mal en vrai, je suis content. Déjà, notre note est j'ai aimé. Un de mes amis m'a vu sortir d'ici, je mourrais de honte. Allez, ça m'a saoulé de toute façon. Bon! Fiston, ça se passe comment le taf là en ce moment? Ah, il a même. La manche, il a un dispositif de paiement sans contact. Mais tu vois, c'est là que je peux être fier de mon fils. Il a tout compris. Il a la monnaie et il a paiement sans contact. Donc si jamais quelqu'un lui dit, je suis désolé, j'ai pas d'argent, mais j'accepte la carte bleue. Please help. C'est pas très vendeur ça. Allez hop là. Je suis un monstre. Alors ici, est-ce qu'on a un dispositif de VR? Parce que là, il y a un contrôleur de VR, mais ça, on s'en fout en vrai. Là, combien? 456. Bah, on prend. On va prendre ça. On le prend. Et on va prendre dispositif 568. Et juste le contrôleur? Bah, le contrôleur, on va l'acheter sur le site internet. Hein. Il est plus cher que le casque, carrément, je comprends pas. Mais attendez, j'ai une question. Attendez, j'ai une question là. Là, j'ai un truc qui vient de me traverser l'esprit. J'ai un enfant qui travaille très bien. Mais pourquoi est-ce que je fais pas plusieurs enfants pour avoir plusieurs enfants qui m'aident? C'est ça la vraie question. Pourquoi je fais pas plusieurs enfants pour avoir plus d'argent? Mais je vais faire 50 enfants! Je vais créer un empire composé que d'enfants! C'est un enfer ce que je dis. C'est un enfer ce que je raconte. Oh, sorti du contexte, je vais en taule. 304 balles. Bah, on va prendre celui. 384, on va prendre celui-là. Comment est-ce que par contre j'installe la VR? Il faut un PC aussi! Il faut une tour! Il faut deux contrôleurs! Non, mais les gars, vraiment, j'ai juré. Je vais acheter un désodorisant. Quoi? Mais quoi? J'ai pas payé mes factures? Quoi? 2 étoiles, mais on est dans GTA? C'est comment? Mais attends, je vais les payer les factures! Je vais les payer! Qu'est-ce qu'il a fait? On m'a mis une amende? C'est quoi ce jeu de fou là? Oh, j'ai la dalle, merde! Non, t'évanouis pas, s'il te plaît! Mais si je pars manger et qu'il ne paye pas, je vais péter un plomb! Bah voilà, bah déjà je l'ai vrillé. En plus, il repart en détente, hein! Il repart en détente, ce fou! Sale malade, va! Je vais aller manger maintenant. Ok, c'est bon. Donc là, je peux acheter une table basique. La table basique, on prend. Je vais mettre la VR ici. Voilà. Ah oui, d'accord. Et là, ça me montre tout ce dont j'ai besoin. D'accord. Le casque. Un contrôleur. J'espère que la VR, c'est vraiment rentable. Parce que vu comment ça me coûte cher, oh, j'espère vraiment que les gens vont consommer la VR comme jamais. Hein. Je vais péter un plomb. Mais comment ça, tu te tutes? On m'a pété un truc! Pourquoi c'est moi qui me fais arrêter? On m'a pété un truc, je sais même pas ce que c'est. Mais je suis recherché de quoi? On m'a volé! On m'a volé! Et c'est moi qui ai condamné! Je l'ai vrillé! On m'a volé quoi? Ah! Non! Mais ma manette de VR! Je l'ai déposée il y a 8 secondes! Non! Pas la manette! Non, j'ai juré. Je vais péter un. Mais pourquoi je suis. C'est quoi ce bordel? Mais je suis où? Je vais faire des allers-retours jusqu'à m'évanouir. C'est ça mon destin. Je me fais péter à ma. Mais voilà, je me fais péter à ma manette. À 500$ au bout de 20 secondes. On me TP dans les backrooms. Je m'évanouis. Et en plus. Comment
comment ça, je me fais pas TP chez moi? Mais comment ça? Attends, ça a sauvegardé, c'était quand la dernière sauvegarde? Non. Bah non. Ça a sauvegardé là quand j'ai... quand je me suis évanoui. Donc là, en fait, on m'a pété à combien de trucs là? Qu'est-ce que... Juste ma manette. On m'a piqué ma manette à 500 balles. À 500 balles! Allez, c'est trop pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et vous pouvez cliquer ici pour une autre vidéo. Juste là.